plus. Avec un jeune marchand de serpettes pour du mobilier, design et des céramiques, Edouard Demachy, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc antiquaire au marché serpettes. Okay. Votre parcours, vous en êtes arrivé là? Alors, bon, j'ai démarré en fait au puce. Je travaillais pour un marchand relativement connu sur le marché qui s'appelait Christian Sapé, qui était notamment connu pour son goût, pour ses connaissances et beaucoup de choses. Et puis avec mon père également, qui est quand même un marchand relativement connu dans la profession. Donc ah, c'est ça, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Voilà, exactement. D'accord. Comme alors, Monsieur Demachy père, c'est le quai Voltaire, ouais. Avec ce qui a été très longtemps, jusqu'à ce que Gradiva s'y installe, une des plus belles galeries, avec une enfilade de pièces, vue sur la Seine, vue sur le Louvre en face. C'était bien chez votre père. Ah, c'était formidable. C'était un endroit vraiment exceptionnel, très bien placé, et qui était ce que j'appelle un aspirateur à collectionneurs et à gros clients. Mais ce n'était pas la marchandise que vous avez découverte après, vous? Non, pas du tout, puisque moi je suis parti en fait dans le 20e. J'ai fait un peu, on va dire, mon trou dans le 20e, avec notamment le mobilier d'architecte des années 50, 60, 70. Vous êtes lancé à Serpette avec... Alors j'ai commencé... hésitait. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se mettre dans le carré rive gauche ou... Alors non, en fait j'ai commencé à Paul Bert, qui est un peu, on va dire, le berceau des marchands. Et après, enfin, je suis resté à peu près 2 ans à Paul Bert, et je suis parti directement dans le carré rive gauche, où j'ai ouvert une galerie dans la rue de Lille. Et où je faisais donc du 20e. Et un peu plus tard, j'ai décidé de rejoindre mon père donc sur le quai Voltaire, où j'ai monté un département 20e au sein même de sa galerie. Alors qu'est-ce qui vous ramène brebis égarés jusqu'à Serpette? Opus, parce que c'est vraiment mon berceau, c'est là que j'ai démarré. C'est là que se passent énormément de choses. Beaucoup de marchandises sortent de là. Donc c'est bien d'être vraiment à la base. Non seulement ça, le marché Opus est un marché qui attire énormément de monde. Tous les week-ends, il y a du passage, il y a du monde, tout le temps, tout le temps. Donc c'est un lieu qui, on va dire, concentre vraiment le passage. Une petite question de business, est-ce que ça coûte moins cher qu'ailleurs ou finalement ça non, pas tellement... Non, c'est le même prix en fait. Ouais. Le prix de mon magasin Opus me revient quasiment au même qu'une galerie dans le carré gauche. En tout cas, ça doit plaire puisque Louis Grandchamp d'Hérault, c'est vraiment pas la marchandise de la vente Louis Grandchamp d'Hérault. Il fait du tableau 18e et c'est ce qu'il aime et c'est ce qu'il va vendre. Louis Grandchamp d'Hérault disait tout à l'heure à Édouard Demachy qu'il était retourné Opus, ça lui était pas à Serpette, que ça ne lui était pas arrivé depuis très longtemps. Mais je pense que beaucoup de gens, beaucoup de collectionneurs reviennent au puce parce que c'est un vivier, il y a énormément de choses qui s'y passent et on trouve toujours des choses, il y a toujours des trouvailles à faire. Alors, un mot quand même, avant de s'arrêter sur un de vos objets, justement on n'est plus dans le tableau ancien, on a dit rapidement, c'est du design, c'est du contemporain, des céramiques. Tout à fait, on peut classer ça dans... Le design des années 50-60, je préfère éviter qu'on parle de vintage parce que je trouve que c'est un peu galvaudé, ça qualifie pas très bien. Oui, c'est un peu galvaudé. Et donc on parlera plus de design. D'accord, design 50-60. De mobilier d'architecte également aussi, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'architectes qui ont fait des choses dans ces années-là. Si on taquine Édouard Demachy sur le sujet, il y a quand même beaucoup de rééditions qui sont d'ailleurs, qui se font au grand jour. Il y a des artistes qui sont édités, réédités. Tout à fait, tout à fait. Alors après, c'est au marchand de choisir un petit peu sa voie, de prendre des pièces qui ne se sont pas rééditées. Moi, c'est mon cas. Tout ce que j'ai dans mon magasin sont des pièces qui ne sont pas rééditées. Voilà, je fais très attention à ça pour ne pas avoir justement cette concurrence. On a choisi un objet chez Édouard Demachy, il voulait venir avec, mais on a préféré l'enregistrer quand on a tourné au marché Serpette. C'est un fauteuil, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, hémisphère. Le fauteuil acoustique de Christian Delinos, c'est un modèle qui a été réalisé en 1973. L'origine de ce fauteuil, c'est dans en fait les années 60, c'est le milieu des années 60. Vous en parlez très bien, on va vous laisser le faire, ça a été tourné au marché Serpette. Le fauteuil, en fait, ce modèle est appelé fauteuil acoustique. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'on est assis dedans, on est complètement isolé. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'il y a un écho à l'intérieur et quand on écoute en fait de la musique, il y a vraiment, le son se répercute à l'intérieur, on a l'impression d'être coupé du monde. On est comme dans une espèce de bulle, ce qui était vraiment en fait le but de la création de ce fauteuil. Le matériau, donc il s'agit de perpex et d'acier. Voilà. Et le coussin est en tissu, qui est un tissu en laine bleu turquoise, voilà, que j'ai fait refaire bien évidemment. C'est un objet qui est volumineux, lourd et qui visuellement est très important dans un appartement. Donc en fait ça nécessite d'avoir beaucoup de place, d'avoir des volumes assez importants. Et en fait cet objet est plus souvent
posé, présenté comme une sculpture plus que comme un vrai fauteuil. Parce que c'est vrai que quand on le met dans un intérieur, imaginez un très beau loft américain avec des volumes très architecturés, vous mettez cette pièce à l'intérieur, c'est superbe, on dirait une sculpture. On aurait même presque pas envie de s'asseoir dedans. Donc ça serait même presque plus pour le côté décoratif de l'objet. Et on peut quand même s'asseoir, je vais vous le prouver. Et on est d'ailleurs très bien assis dedans. Voilà. Et là, je suis complètement isolé. Complètement iconique, parce que même il y a eu des James Bond, d'ailleurs, qui ont été tournés avec ce fauteuil-là, où on le voit assis dedans ou debout à côté. Et, donc en même temps, c'est un objet qui fait aussi référence au cinéma. Mm-hmm. C'est sûr que là, on a l'impression on se croit au cinéma, finalement. Avec vous, Édouard de Machy, ça, c'est une des pièces phares. On parlait des céramiques tout à l'heure. Ça, c'est peut-être moins connu, justement, de cette période-là. C'est quel genre de céramique? Alors, c'est surtout de la céramique française des années 50, parce que je traite essentiellement de cette partie-là. Je suis moi-même expert auprès de la CFA dans ce domaine. C'est un domaine que je défends depuis excessivement longtemps, que j'ai moins mis en avant avant, mais aujourd'hui, parce qu'il a fallu du temps pour réunir des pièces, pour les trouver, et aujourd'hui, ce sont des pièces que je mets en avant, et en plus de ça, le marché de la céramique est en plein booming aujourd'hui. Lâchez quelques noms. Hier, on a vu, par exemple, à la foire de Chatou, il y avait des gens qui avaient votre marchandise, vous y étiez peut-être, et qui, visiblement, se disaient, oui, il faut acheter. Tout à fait. Il y a vraiment un engouement là-dessus. C'est même rentré, on va dire, dans la décoration. Quand on regarde un petit peu les magazines, on voit souvent de la céramique posée sur une cheminée, posée sur une console, sur un meuble, sur un bureau. Et puis, ça revient aussi à la mode du côté des designers. Hein, et tout à fait. Ils travaillent absolument aussi, les designers actuels, la céramique. Alors, l'adresse exacte, Édouard de Machy, pour vous retrouver sur le marché Serpette. Alors, c'est le stand 16 dans l'allée 5, au marché Serpette. Stand 16, allée 5. Merci beaucoup. Beau week-end en plus aujourd'hui. On va avoir un week-end superbe, donc voilà. J'espère beaucoup de monde.